En vrai, vous en avez des hémorroïdes ou pas? Ma copine en a depuis 6 mois. Je mange plus épicé, d'ailleurs, à cause de ça. Okay. J'espère qu'elle va voir la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va voir la vidéo. Ouais. Tramadol. Le circan, parce que c'est vraiment une drogue pour mon cul, quoi. Ouais, parce qu'il en prend vraiment tous les jours. Et... C'est des suppositoires pour les hémorroïdes internes, en fait, parce qu'il y a les deux styles d'hémorroïdes, les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes qui font... Parfois, quand je voyais mes doigts qui sont rouges, c'est que j'ai mis de l'éosine. Une personne sur trois en France a des hémorroïdes. On est quatre ici. Il me demandait de mettre la crème vraiment il y a 10 ans quand on a 10 minutes à perdre. Moi j'adore faire des pizzas et j'ai une petite recette. C'est ma petite touche perso. Pizza à la merde parce qu'en vrai la pâte est vraiment épaisse. Et voilà. C'est merci. Vrai, c'est, en fait, bonne il faut journée. Que vous sachiez un truc. Allez. Tu peux lui dire une blague sur sa mère, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a un truc qu'il supporte pas, c'est que tu lui fasses une blague sur ses pizzas. C'est zéro humour dessus quoi. J'arrête de battre Gaël. Non. Mec, bon. C'est une blague sur une pizza. Allez, je reprends ma tégale. Ok. Tu connais pas trop Pikachu ? Parce que je suis électrique. Moi... c'est fou, là. Coup de foudre. Moi, je serais un Enculator. J'allais dire hémorroïde, mais c'est ouais. Finalement pas une maladie, parce que c'est quand même un petit peu un atout, parce que ça fait vachement de discussions avec les meufs. Un atout ? J'essaie énormément de meufs... grâce à mes hémorroïdes, oui, en non, soirée. Il en parle très vite. C'est un peu sa technique de drague. Ouais, ça là. Et tu fais quoi dans la vie? J'ai des hémorroïdes. Enfin, je veux dire, je suis comédien, mais j'ai aussi des hémorroïdes. Attends, mais pas besoin de moi. Attends, ouais, bah, écoute, c'est des internes, c'est comme les externes, c'est pas pareil, ça démange. C'est sa technique. Et là, elle fait OK, embrasse-moi, et c'est parti, quoi. Le rhum. Le rhum. Le rhum ambré, un vieux, pas le rhum blanc. On dépense des fortunes en rhum. Ouais. On fait que ça. Dès qu'on a du fric, on achète du rhum, hors de prix. Hors de prix, on met des bouteilles à 5000 balles, quoi. Une demi-heure. On le gâche, en plus. On fait des bananes flambées, on fait des baba au rhum, on met du coca. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais on adore le rhum. La dernière fois, on avait cassé la bouteille. Mais comme c'était une bouteille de rhum, c'était beaucoup plus cool. On nettoie le sol avec, on fait n'importe quoi. Mais on adore. Le rhum, c'est génial.